Bonjour tout le monde, je suis contente de lire ce livre avec vous, vous donner un peu de divertissement, un peu de récréation et j'espère que ça vous plaira bien ce livre. Alors c'est L'agneau de Caleb et savez-vous que ce livre, c'est Michel, vous vous rappelez de Jean et Michel dans l'église? Eh bien c'est Michel qui a traduit ce livre de l'anglais en français. Donc, je vais pouvoir vous le lire en français. Voilà. Donc, on démarre. Ok. Il y a très très longtemps, dans le pays de Gozan, en Égypte, un jeune garçon dormait d'un sommeil profond au pied d'un arbre épineux. Pour empêcher les animaux sauvages de s'approcher, il avait posé des branches cassées tout autour de lui. Afin d'avoir plus chaud, il s'était recroquevillé autant que possible sous le manteau défraîchi de son père. Le soleil était levé depuis plus d'une heure, réchauffant le sol, mais le garçon, ayant passé la moitié de la nuit éveillé, rempli de peur, dormait profondément. La lumière vive de l'aurore ne l'avait pas dérangé. Un corbeau était penché sur l'une des hautes branches de l'arbre, secouant la tête d'un côté et de l'autre pour surveiller, tantôt d'un œil, tantôt de l'autre, le jeune garçon au-dessous de lui. Très curieux, il avançait doucement d'un bout à l'autre de la branche pour essayer de mieux voir. Finalement, il laissa échapper un cri fort et strident qui interrompit le sommeil du garçon. Le menton fut jeté de côté, une chevelure noire et ébouriffée apparut. Des yeux lourds de sommeil s'ouvrirent à contre-cœur. La peur les fit s'agrandir quand le garçon se souvint de l'endroit où il se trouvait et se rappelait qu'il était tout seul. Il s'assit, le dos collé contre l'arbre, et s'enveloppa de nouveau du manteau car il tremblait de froid. Bien que le soleil brillât, il ne faisait pas chaud. C'était le commencement du printemps et l'air était encore un peu piquant. Caleb portait une veste en peau de mouton sur sa tunique, en plus du manteau qui appartenait à son père. Mais le sol était aussi froid que dur. Il leva les yeux bruns vers le corbeau. Cet oiseau perché là, qui l'observait, était sûrement un mauvais augure. Caleb se souvint que son long bec noir était destiné à déchirer et piquer. Les cerfs noirs se recourbaient qui s'agrippaient à cet instant à la branche pouvaient tout aussi férocement se cramponner à une créature blessée. Les yeux vifs et perçants étaient ceux d'un oiseau qui se prépare à l'attaque, à attaquer sa proie. Caleb sauta sur ses pieds. Il était en colère tout d'un coup. Il agitait les bras et criait au corbeau. « Va-t'en, va-t'en, ne me fixe pas ainsi !» Mais le corbeau le dévisagea avec une curiosité encore plus grande, nullement effrayée. C'était son sentiment de culpabilité qui remplissait Caleb de colère lorsqu'il regardait le corbeau. Dès qu'il s'était réveillé, les souvenirs de la veille l'avaient assailli. La colère de son père, la sienne, la brebis perdue. Oh, combien il haïssait les moutons, ces animaux stupides! Ne savait-il pas encore que le seul endroit où il pouvait être en sécurité était au sein du troupeau, sous la surveillance du berger? Ignorait-il toujours que le soir, il devait s'empresser de rejoindre la bergerie?
De toute évidence, il n'en savait rien. Sinon, il ne s'éloignerait pas et ne se perdrait pas. Le père de Caleb, Asher, avait dit, « Cette brebis mettra bas d'un jour à l'autre. Surveille-la. Elle s'écartera du troupeau afin de trouver un coin secret pour mettre au monde son agneau. Il te faut la surveiller de près et la ramener si elle s'éloigne. » Et Caleb l'avait surveillée, vraiment. Il l'avait surveillée pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil lui brûle les yeux et que, tendu à force de fixer du regard, sa croupe brune et laineuse et sa longue queue épaisse, il se sent étourdi et fatigué. Il avait cessé de la regarder seulement pendant quelques instants. Elle était auprès de plusieurs de ses sœurs, broutant l'herbe toute fraîche du printemps comblée. Alors, un lézard avait surgi de dessous les pierres, une petite créature aux yeux dorés. C'était si tentant pour les doigts oisifs de Caleb, si prometteur pour son cœur fatigué. Le lézard était aussi immobile que les pierres elles-mêmes, facile à attraper. Caleb s'était préparé à le saisir et, en un clin d'œil, le lézard était parti dès que l'ombre de Caleb avait bougé. Caleb avait ôté les pierres, guidé par le tourtillement d'une queue. Le lézard était de nouveau là, tête levée, immobile, beau. Tout ceci n'avait duré qu'un instant. Puis, Caleb s'était souvenu de la brebis et avait regardé vers l'endroit où il l'avait vu la dernière fois. Les autres brebis étaient là, broutant encore, mais la brebis brune, aux flancs bâillonnés, avait disparu. Caleb avait essayé de ne pas paniquer. Il savait qu'il devait faire vite pour la retrouver, mais il n'osait se mettre à courir dans tous les sens, de crainte que son père ne remarquât quelque chose. Elle n'avait pas pu s'éloigner beaucoup. Peut-être était-elle allée jusqu'à un buisson, sous les yeux de son père. Le troupeau était disséminé sur une grande étendue de pâturage. Certaines brebis avaient déjà des agneaux près d'elles. Mais comment pourrait-il reconnaître celles qu'il cherchait? Il y avait plusieurs moutons bruns dans le troupeau, et aussi des gris, des blancs et des tachetés. Son père disait que chacun était différent, mais pour Caleb, ils étaient tous semblables. Caleb était si fâché contre la brebis brune et contre son père. Comment aurait-il pu avoir sans arrêt l'œil sur le troupeau alors qu'il avait mal à la tête et que ses yeux larmoyaient? Il savait qu'il aurait dû aller le dire à son père tout de suite, mais il ne l'avait pas fait. Il était trop honteux et furieux. Ce matin même, Asher lui avait fait une leçon sur l'importance de surveiller de très près les brebis prêtes à mettre bas. Ça n'avait pas été un long discours. Les bergers ne sont pas bavards, bien que souvent ils chantent pour leurs moutons. Mais son père ne parlait pas beaucoup. Les rares mots qu'il prononçait étaient importants et il fallait les écouter. Il lui avait répété 3 fois de surveiller cette brebis particulière. Alors, comment Caleb aurait-il pu aller vers son père et lui dire qu'elle était perdue? Caleb avait décidé d'attendre un moment, certain qu'elle reviendrait suivie d'un agneau avant la tombée de la nuit. Alors, son père n'aurait pas besoin d'apprendre ce qui était arrivé. La journée avait passé lentement. La brebis n'était pas revenue.
Et plus le temps s'écoulait, plus il devenait difficile à Caleb d'en parler à son père. S'il lui avait dit immédiatement, Asher se sera peut-être mis en colère, mais maintenant, il se fâcherait encore plus. Caleb avait surveillé consciencieusement les autres moutons durant le reste de la journée, s'attendant à un miracle d'un instant à l'autre. Il verrait la brebis brune revenir en trottinant, suivie d'un agneau. Il avait songé à prier le Dieu de son père à son sujet. Tous les jours, matin et soir, Asher priait. Il avait dit à Caleb que Dieu, qui était si parfait que son nom était imprononçable, savait toutes choses. Non seulement ce qu'il disait et faisait, mais aussi tout ce qui était dans leur cœur. Alors, Caleb avait décidé qu'il ne pouvait pas en parler à Dieu, pas plus qu'il ne pouvait le dire à son père. Il était trop furieux et honteux. Cela avait été une journée terrible, durant laquelle Caleb était devenu de plus en plus maussade et furieux. De temps en temps, il avait eu le désir de courir vers son père et de tout confesser. Mais chaque fois, quelque chose l'avait retenu. L'espoir que la brebis revienne ou la crainte que son père ne se mette en colère. Quand l'obscurité était venue et qu'Asher avait compté tous les moutons, il avait immédiatement vu que la brebis brune manquait. Caleb aurait voulu rentrer sous terre, mais c'était impossible. La tête basse, il avait crié avec colère, « Ce n'est pas ma faute! Je ne l'ai quitté des yeux qu'un instant! » « Est-ce ma faute? » avait dit le berger. « Est-ce ce cerf de bouclette, l'idiote, qui nous faisait pourtant confiance pour la protéger? » Caleb n'avait pu répondre. Il était très peiné par la façon dont son père avait parlé. Il avait fait confiance à Caleb, tout comme Bouclette se fiait aux hommes pour prendre soin d'elle. Caleb s'était mordu les lèvres. Il haïssait Bouclette plus que jamais. « Il faut que tu ailles la chercher, » dit son père. « Je partirai dès l'aube, je te le promets, » répondit-il avec empressement. « Demain sera trop tard. Il faut que tu la trouves maintenant. »« Mais s'il fait nuit, je ne pourrai pas la voir. »« Elle entendra ta voix et tu entendras la sienne si elle est angoissée et appelle. » Caleb avait peur du noir. « S'il te plaît, ne m'oblige pas à y aller, » avait-il plaidé. Mais son père avait continué. « Cherche parmi les buissons d'épines, parmi les pierres et les creux dans le sol. Elle aura son agneau avec elle. Tu as ta fronde pour te protéger et ton Dieu aussi. Tu ne seras jamais un bon berger si tu n'apprends pas à prendre soin des moutons plus que de toi-même. » Ces paroles avaient résonné aux oreilles de Caleb et blessé son cœur. Il avait pris un mince pain d'orge pour son souper, le manteau de son père pour avoir chaud, et il s'était mis en marche. Au départ, il s'était dépêché, se prenant les pieds dans le manteau jusqu'à ce qu'il l'eût rejeté sur ses épaules. Mais il avait été bientôt fatigué et il avait eu de la peine à tenir les yeux ouverts et à mettre un pied devant l'autre. La lune, claire et belle, projetait toutes sortes d'ombres autour de lui. Les buissons d'épines se transformaient en doigts géants et menaçants comme des griffes. Les pierres devenaient d'immenses cavernes. Tout paraissait grand et bizarre, ne ressemblant en rien au pâturage en plein jour, et Caleb avait eu peur.
plusieurs fois. Il avait appelé Bouclette de toutes ses forces, espérant une réponse. Mais rien n'était venu. Et bientôt, sa propre voix dans le désert l'avait effrayé. Puis, il était arrivé à l'arbre épineux et s'était assis pour manger son pain. Il était si fatigué et avait tellement froid qu'il avait pensé se reposer et se réchauffer là quelques instants seulement. Tandis qu'il mangeait, les bruits du désert résonnaient à ses oreilles. Des chuchotements, des frottements, le bruit de petites souris courant ça et là, ceux des scorpions et de plus gros animaux peut-être. Caleb frissonnait. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait faire autant de bruit que les sons nocturnes autour de lui. Et les esprits mauvais? Il les voyait certainement ici et essayerait de le dévorer. Il avait sauté sur ses pieds et s'était entouré de branches cassées, bien trop effrayé pour poursuivre son chemin. Des serpents, des chacals, des lions. Il avait imaginé des tas de choses horribles. Il s'était rappelé les paroles de son père. Tu as ton Dieu pour te protéger. Et la pensée que Dieu, dont le nom était imprononçable, le regardait à cet instant même et comprenait ses craintes. Cela l'avait réconforté. Caleb avait tiré le manteau de son père sur sa tête, s'était recroquevillé aussi près que possible du tronc de l'arbre épineux. Et il était resté ainsi jusqu'à ce que le corbeau noir le réveille par son cri strident. Chapitre 2. Caleb était complètement éveillé maintenant et son cœur se mit à battre de frayeur quand il se rappelait combien d'oiseaux noirs semblables il avait vus, souvent posés sur le flanc d'un animal mort, déchirant sa chair en décomposition. Les corbeaux sont des animaux nécrophages, ce qui nourrissait de charogne. Voilà. Ils ont leur raison d'être, avait dit son père quand Caleb avait pour la première fois exprimé son dégoût et son horreur face à ce spectacle. Ils assurent la propreté des pâturages. Asher non plus n'aimait pas les corbeaux. Trop souvent, ils attaquaient les brebis prêtes à mettre bas quand elles étaient sans défense, tuant les agneaux avant même qu'ils aient pu sentir le sol sur leurs sabots. Supposons que cela soit arrivé à Bouclette et à son agneau. Caleb frissonna. Mais plutôt il saurait ce qui s'était passé, mieux ce sera. Il avait faim, mais il avait déjà mangé tout son pain. Aussi n'avait-il pas besoin de prendre du temps pour le petit déjeuner. Avant de se mettre en route, il répétait les prières que son père prononçait chaque matin, en y ajoutant une demande spéciale. « S'il te plaît, aide-moi à trouver Bouclette rapidement. Fais qu'elle soit saine et sauve. » Avec ce seul réconfort et le manteau de son père autour de ses épaules, il se dirigea vers un flanc de colline rocailleux où des buissons d'épines et des fleurs sauvages scintillaient sous le soleil. C'était un bon endroit pour une brebis qui cherche un lieu secret pour mettre bas. Elle était certainement là. Le corbeau poussa un cri, s'étendit ses ailes puissantes et les fit battre en s'envolant au-dessus de Caleb, le recouvrant de son ombre en passant. Il atteignit la colline avant Caleb
et se percha sur un rocher où il commença à lisser ses plumes et à se nettoyer le bec. Et son cœur se serra malgré la... Ah oui, excusez-moi, j'ai manqué une ligne. Le corbeau était le seul être vivant que Caleb vit, et son cœur se serra malgré la prière qu'il avait faite. Dieu employerait-il ce corbeau pour lui dire qu'il arrivait trop tard? Il eut bientôt la réponse. Il escalada les rochers, puis suivit des crottes de moutons desséchées. Soudain, une masse de laine brune sur le sol attira son regard. C'était Bouclette. Elle était morte. Des mouches s'étaient agglutinées aux endroits où d'autres animaux s'étaient déjà régalés. Caleb s'arrêta brusquement. La mort était quelque chose d'effrayant. Il n'avait jamais pu s'y habituer, bien qu'elle fût toujours présente autour de lui d'une façon ou d'une autre, dans les histoires que lui racontait son père, dans les conversations à mi-voix des femmes du village, dans le troupeau lui-même, où les moutons mouraient pour toutes sortes de raisons stupides et souvent si brusquement. Le pire dans la mort, c'était son arrivée soudaine. Elle s'abattait comme un oiseau de proie dans la nuit, sans aucune pitié. Le cadavre lacéré de Bouclette le lui rappela tout à nouveau, et le poids de sa responsabilité pesa sur lui, parce qu'il n'avait pas pris soin de la brebis. Et l'agneau, qu'était-il devenu? Un chacal ou un lion l'avait-il emporté? Avait-il déjà été complètement dévoré? Caleb regarda autour de lui à contre-cœur, craignant de découvrir un autre cadavre et ne s'attendant pourtant pas à trouver autre chose. Sa première pensée fut de retourner en courant à toutes jambes vers son père. Peu lui importait ce qu'il fût en colère, pourvu que lui-même puisse échapper à cet horrible spectacle. Au lieu de cela, il courut vers le corbeau qu'il observait toujours en cherchant sa fronde de pierre. Et des pierres. « Va-t'en !» cria-t-il. « Tu es déjà rassasié !» Le corbeau se dressa dans le grand battement d'ailes et poussa un cri de surprise. Juste au moment où Caleb s'apprêtait à le viser, il entendit un autre cri, très différent de celui du corbeau, et s'arrêta net. C'était le bêlement d'un agneau, faible et fragile. Certes, c'était l'appel d'un agneau en détresse. D'où venait ce cri? Où était l'agneau? Caleb écouta, impatient. « Où es-tu ? » cria-t-il. Un autre bêlement se fit entendre, quelque part à sa droite, à l'endroit où le sol rocailleux descendait brusquement en une pente abrupte de 4 mètres environ, au bas de laquelle poussait un épais fourré de ronces en fleurs, pleines d'épines. Comme Caleb baissait la tête pour regarder, ses yeux furent attirés vers un endroit d'où provenait un nouveau bêlement, plus fort que le précédent. L'agneau était là, dans ses branches emmêlées, coincé au point de ne pouvoir bouger que sa tête et sa queue, qu'il agitait avec excitation en voyant Caleb. Il avait dû dégringoler la pente, pensa Caleb, et Bouclette s'était peut-être longtemps tenue au bord, bêlant désespérément, mais seuls les oiseaux prédateurs l'avaient entendu. Il était impossible de savoir exactement ce qui s'était passé,
Une chose était sûre, ces mêmes épines qui avaient retenu l'agneau prisonnier lui avaient sauvé la vie. Brûlant d'excitation, Caleb se fraya un chemin jusqu'en bas de la pente, mais il n'était pas facile d'atteindre l'agneau. Il coupa net les branches avec son couteau et ramassa une pierre avec laquelle il cassa les piquants qui déchiraient sa veste. Il aurait bien voulu avoir le gros gourdon de son père. Il eut bientôt très chaud. L'agneau se débattait avec vigueur, s'attendant au pire, car il ne savait pas que Caleb était venu pour le sauver. Ses bêlements étaient forts et remplis de crainte. C'était un bel agneau, tout blanc. Il avait seulement une tache plus sombre autour du museau et des traces rouges sur sa peau laineuse, là où les épines l'avaient percé. Il n'y avait pas beaucoup d'agneaux blancs dans le troupeau et ils étaient toujours précieux. Leur laine se vendait plus cher que la laine de couleur. Peut-être la couleur d'Achir s'atténuerait-elle quand il verrait cet agneau blanc. « Cesse de te débattre !» cria Caleb. Les efforts que faisait l'agneau l'enfonçaient encore plus dans les épines qui le blessaient. « Ne vois-tu pas que j'essaie de t'aider? Tu mourras si tu restes ici. » Au bout d'un moment, l'agneau cessa effectivement de se débattre. Non pas qu'il n'eût plus peur, mais il était épuisé. Longtemps avant que Caleb, suffoquant de douleur quand les épines qui retenaient l'agneau prisonnier s'enfonçaient dans ses propres mains. Longtemps avant que Caleb eût réussi à atteindre l'agneau et à le délivrer, l'agneau avait fermé les yeux et cessé de lutter. Tellement il était épuisé, elle, oui. Sentant les mains de Caleb sur lui, il sursauta, rouvrit les yeux, poussant un bêlement de frayeur au grand étonnement du garçon. Fit une dernière tentative courageuse pour s'échapper. Finalement, Caleb dut le dégager en le tirant par les pattes avant, tandis que l'agneau bêlait de toutes ses forces, essayant encore de se libérer. Même quand le garçon s'assit par terre et attira contre lui le petit animal, voulant le réconforter en lui transmettant la chaleur de son corps et en l'entourant de ses bras, l'agneau resta très tendu. Caleb sentait le cœur de l'agneau battre violemment contre son propre cœur. Quelle frayeur contenue dans ce cœur qui battait si fort. « Calme-toi, calme-toi, » murmura-t-il. « Je ne vais pas te faire de mal. » Et de ses mains blessées, il caressait instinctivement le petit corps, désirant le réconforter. L'agneau cessa de se débattre. Les mains de Caleb lui rappelaient peut-être le premier réconfort qu'il ait jamais reçu quand sa mère avait fourré son museau Les mains de Caleb lui rappelaient peut-être le premier réconfort qu'il ait jamais reçu quand sa mère avait fourré son museau dans sa laine et l'avait poussé, puis léché pour le nettoyer, réchauffant ainsi son corps et ôtant le voile devant ses yeux. De violentes crampes d'estomac le saisirent et il commença à chercher à téter, donnant des coups de museau à Caleb. Celui-ci lui tendait deux doigts et l'agneau s'y accrocha sauvagement, frappant la poitrine du garçon
et de sa petite tête dure. Bientôt, frustré, il émit un bêlement de rage. Il n'y avait pas de lait dans les doigts de Caleb. Découragé, il s'affaissa sur les genoux et cessa tout effort. Il étendit son petit corps à moitié froid, taché de sang, contre Caleb. Il n'avait plus peur, il ne se souciait plus de rien. Ses narines sombres étaient fermées, comme ses yeux. Elles semblaient refuser de fonctionner. La longue queue était sans vie. Et quand Caleb le regarda, une douleur soudaine qu'il n'avait jamais ressentie auparavant le saisit. Elle était provoquée par l'amour, bien qu'à cet instant, il l'ignorait. Tout ce que Caleb savait, c'est que cette douleur le fit bondir sur ses pieds. Il mit l'agneau sur ses épaules et se dirigea aussi vite qu'il put vers les pâturages de son père. Il oublia ses propres malheurs, ses souffrances, ses craintes, déterminé à garder cet agneau en vie, malgré toutes les difficultés. Le soleil était haut dans le ciel maintenant, et bien qu'on fût seulement au printemps, il dardait ses réunions sur la silhouette solitaire de Caleb qui portait l'agneau sur ses épaules. Plus d'une fois, Caleb eut envie de poser son fardeau à terre pour se reposer. Seule cette douleur atroce au cœur le garda de cette tentation. Il devait rentrer, sinon l'agneau mourait. Caleb reprit soudain espoir quand il vit les premiers moutons, puis son père à proximité, qui les surveillait tous. Il appela. Son père répondit et vint aussitôt à sa rencontre. Il enleva l'agneau des épaules de Caleb et le prit tendrement dans ses bras. Il n'y eut aucun reproche. Aucune explication ne fut exigée. Le berger aurait presque pu raconter ce qui s'était passé. Rien qu'en voyant les vêtements déchirés de Caleb et les griffures profondes sur ses bras et ses mains. Asher dit, il est si faible qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de le sauver. S'il a assez de volonté, il vivra. Sinon, il sera mort à la tombée de la nuit. Caleb avait mal dans tout le corps après avoir porté l'agneau si longtemps. Pourtant, il y avait encore beaucoup à faire. Il fallait nourrir l'agneau d'une façon ou d'une autre. Mais il était trop faible à présent pour être confié à l'une des brebis. Le père de Caleb apporta un peu de lait dans une jatte. « Essaie de le nourrir toi-même, » dit-il. « Trempe tes doigts dans le lait et mets-les dans la bouche de l'agneau. Continue jusqu'à ce qu'il comprenne. N'abandonne pas, même si lui, il a abandonné. » Caleb pensait qu'il prendrait plaisir à cette tâche, mais il était fatigué et bientôt il commença à se fâcher. Il semblait que l'agneau, qui avait été si courageux dans le buisson, avait maintenant perdu le goût de vivre. Le lait chaud et doux n'avait sur lui aucun effet. « Allons, vas-y !» lui cria Caleb, car il ne voulait pas boire, ni même ouvrir les yeux. Avait-il fourni tous ses efforts en vain? Il aurait tout aussi bien pu laisser l'agneau mourir dans le buisson. Dans son impatience, il écarta les lèvres de l'agneau et essaya de lui ingurgiter du lait. L'agneau secoua la tête. La plus grande partie du lait s'infiltra dans la tunique de Caleb et coula le long de ses jambes.
mais une petite quantité avait dû atteindre le gosier de l'agneau, car soudain, il fit un bruit, comme s'il s'étranglait en avalant quelque chose, et de ce fait, sa bouche s'ouvrit. Caleb versa vite encore un peu de lait dans la bouche de l'agneau. Le liquide dégoulinait le long de ses doigts, qui maintenaient les mâchoires écartées. Puis, quelque chose parut se passer dans les jambes de l'agneau. Il se redressa, donna un faible coup de pied en signe de protestation. Une étincelle de vie jaillissait encore une fois. Caleb sentit la langue, pratiquement inerte, saisir faiblement ses doigts et, souriant de joie, il laissa le lait couler goutte à goutte le long de ses doigts, puis dans la bouche de l'agneau. La jatte fut bientôt vide. Seule une infime partie de son contenu avait pénétré dans l'estomac de l'agneau. Mais c'était un début. Plusieurs fois encore, Asher apporta du lait et à chaque fois, l'agneau le buvait un peu plus volontiers avant de retomber dans un sommeil de mort. Il ne fut pas nécessaire de dire à Caleb de rester auprès de l'agneau et de le surveiller. Rien n'aurait pu le faire bouger. Il observait les flancs de l'animal qui se soulevaient en soubresauts courts et subites, se demandant à chaque instant si ce souffle était le dernier. Mais à la tombée de la nuit, l'agneau se tenait sur ses quatre pattes et donna des coups de tête à Caleb en bêlant avec excitation quand l'odeur du lait dans la jatte lui parvenait aux narines. Il était faible, il vacillait et serait tombé si Caleb ne l'avait pas maintenu en équilibre. Mais il avalait le lait, redonnant espoir au cœur anxieux de Caleb. Cette nuit-là, le garçon et l'agneau dormaient ensemble, sous la même couverture de peau de chèvre. Et peut-être l'agneau pensait-il que Caleb était sa mère. En effet, il n'en avait plus peur. Voilà, si vous voulez bien, on verra les chapitres 3 et 4 demain. Ok, bonne journée à tous. Au revoir.